Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023. Avec nous, aujourd'hui, le professeur, l'historien Michel Soukart. Bon, depuis nous dit Michel Soukart, tout le monde ouait déjà. Il y a un livre que nous parlons de lui. Tout le monde ouait tout. Il y a un petit commentaire, une petite analyse sur la situation actuelle du pays. Ça fait déjà quelques temps, plusieurs semaines, depuis que je n'ai pas rencontré lui. Mais c'est toujours avec plaisir pour nous recevoir Michel Soukart. Bonjour, professeur. Bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui a regardé Capta de Métropole. Aujourd'hui, nous allons parler de. Nous allons découvrir un beau garçon, Rosalvo Bobo. Puisque le titre du livre, c'est Écrit politique de Rosalvo Bobo. C'est ça. Mais les analyses, les moi, je vois que monsieur. Pas un petit garçon, c'était un garçon canson, que je me dis comme ça. Parce que moi, j'aime se camper contre les Américains, et contre l'impérialisme américain notamment. Mais d'accord, pour fonctionner avec eux, le travailler avec eux, mais cette histoire. Pas en domestique. Pas en domestique, même. Et puis, quand pile bagay moi, lit tout dans le livre-là, Michel Soukart, c'est comme si je me disais, là, il semblait, période monsieur à un genre, semblait avec période ça. Avec ça, la vivre là. Mal, ouais. Vous pouvez mal comprendre. Bon, tout d'abord, on parle de personnage là lui-même. Mm-hmm. Rosalvo Bobo, c'est un capois. Monsieur son pur produit, études primaires et secondaires de lycée Philippe Guerrier. Même Jean-Antenor Firmin, par exemple. Et Rosalvo Bobo, tu es toujours une grande reconnaissance pour le lycée Philippe Guerrier. Monsieur toujours dit à chaque fois que dans la rue au Cap, l'a passé devant le lycée, il a retiré chapeau pour le dire merci. Monsieur quitté après études dans le lycée Philippe Guerrier, monsieur parti à la France à l'âge de 18 ans, côté là, il fait des études de médecine. Il retourne en Haïti, il a 24 ans. Et à partir de cela, alors on dit que monsieur fait en 1874. À partir de l'ISA, jeune médecin, un professeur au Cap, monsieur intéressé à la politique PIA, et monsieur pourra lui faire ministre. Mbappé, elle dit comme tout capois qui se respecte, parce que c'est un monde au Cap qui était confirmé. Monsieur Pral, un firme ministre, et monsieur Pral participer dans la bataille pour mettre firme président, laquelle bataille que firme Pral perdu. Le noir Alexis ou l'autre monde au Cap pour un pouvoir lui-même. Le ça, Rosalvo Bobo, obligé, font tant dur. Bon. Par la suite, monsieur vient partir, donc là à Paris, monsieur fait des études de droit. Monsieur, après 2 ou 3 ans, monsieur décochait un doctorat en droit. Donc, monsieur docteur en médecine et dit docteur en droit. Monsieur retourne en Haïti, monsieur toujours un firme ministre. Et Bobo, c'est un monde qui pral le firme, pral, capable d'y écarter définitivement la scène politique. Bobo pral voler de ses propres ailes. Il peut créer une propre structure politique pâle. Et pour moun comprendre monsieur, il faut que d'abord qu'on comprenne que monsieur n'a une filiation doctrinale et politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que certainement, monsieur n'a une filière Parti libéral là. Monsieur n'a une filière firmée. On est capable de dire, du point de vue politique de Mounta Kouboua et Basley et de Montpol, son sorte de grand-père idéologique pour monsieur, politique tout. Yon Mounta Kouboua Firmin, c'est un père idéologique, c'est un mentor. D'ailleurs, monsieur Thierry Le Firmin, l'illustre chef progressiste. Mais, quand il y a là, l'homme se vient à franchir, monsieur Pral gagner une action politique autonome, avec propre structure politique et Thierry Le Parti républicain. Et monsieur pral gagner propre conception de la vie politique en Haïti et de façon que le pral mener combat. Maintenant,
Le bobo rentré vraiment sur la scène politique, c'est une période, et du point de vue international, et du point de vue national, qui est extrêmement compliquée. Mm-hmm. Du point de vue international, son période côté les États-Unis approuvaient zèle, la Caraïbe là avec l'Amérique centrale là. Côté, on est capable de dire que diplomatie du dollar là, qui est au service de diplomatie du canon, eh bien, il y a pu exercer un peu partout. Ils mettent la main sur Panama, ils mettent la main sur Cuba, Nicaragua, ils débarquent au Mexique. Porto Rico pour eux, ils font pression sur la République dominicaine pour contrôler les douanes. C'est-à-dire que tout le monde qui est en Haïti à l'époque sentit que les Américains sont eux. Parce que ou pas qu'à dans la zone pour épargner. Et c'est une bagarre qui peut faire la grande différence entre Firmin et son disciple Osvaldo Bobo. Firmin était ouais dans la politique américaine, non? Il y a un gros pays qui a la recherche d'une hégémonie pour dominer le monde. Mm-hmm. Bobo pour aller plus loin. Bobo lui-même pour aller déjà ouais, ça aurait dans la politique américaine non, la menace impérialiste. Et lors de la menace impérialiste, ça veut dire que son nécessité dans le développement capitaliste des États-Unis pour le vin impérialiste, ce n'est pas simplement une grande puissance qui veut dominer aux alentours. Il y a une nécessité interne. S'il ne fait pas structure économique, la calia, ma machine capitaliste, quand on ne peut pas qu'à survivre, parce que le besoin, piller la caille pour les ressources naturelles à vil prix, et pour transformer l'industrie, la caille pâle, pour venir vendre au lit après le vlé. Son nécessité liée. Et pour ça, il faut le contrôler la caille. Il faut le contrôler économiquement, financièrement et politiquement, et même militairement. Donc, Bobo te comprendre ça. Et de ce point de vue-là, Bobo a plus rapproché du Cubain ou c'est Marti que de son propre mentor, Antenor Firmin. Mm-hmm. Donc, logique économique-là, M. te plus comprendre. C'est la raison pour laquelle M. Pral toujours dit, plein de respect pour dynamisme, capacité de travail américain. M'ta bien aimé que yo vin en Haïti, mais vraiment, dans le cadre de négociations équitables, côté, il y a peut-être des exploités aux sous-nous, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, nous connais les Américains bien. Il n'y a pas de alliés, il n'y a pas de collaborateurs, c'est domestique les besoins. Mm-hmm. Il fait ça, il veut, il menti, j'en veux, parce qu'il connaît le volet pire au passé, et au pape, jamais capable. Mm-hmm. Donc, on a rappelé que ce n'est pas ça le dit. Donc, ça fait que, donc, Ali, je vous exprime mes sentiments à l'égard des Américains. Il n'est pas le peuple dont j'admire plus le génie et l'activité industrieuse. Introduire dans notre pays ces industriels, ces capitaux, ces méthodes de travail, lui faire des avantages particuliers pour en tirer autant de lui, c'est un de mes rêves. Mais nous mettre sous sa tutelle, jamais. Jamais. Cela ou la disparition du pays, je choisirai la disparition. Voilà. Ça veut dire que M. Diou, en d'autres termes, tout un camé capé des doux, que faut négocier avec elle, si malheur y vaut, c'est parce que ou pas qu'on négocie, c'est menti. Il pas négocié. Il point. Et puis il finit. Alors ça fait me songer des générations avant, cette fameuse phrase d'Henry Kissinger, qui mourut récemment. Mm-hmm. Henry Kissinger, secrétaire d'État des États-Unis, te dit où, sous ses ennemis américains ou en danger, mais sous ses amis, ça pi mal pour vous. Parce que l'elfin se va avoir la prige et puis le jeto, ce qu'on a un citron, le fin boit de l'eau. La fatale pour vous. Donc. Il a eu à le dire. Ah, et Kissinger qui a dit ça. Mm-hmm. Et pour ennemi des États-Unis, non, dit. Non, c'est secrétaire d'État. Donc, Bobo lui-même te voit déjà. Bobo le dit, moi, je n'ai pas de problème. Dans le cadre vrai, mon négociation, pour me t'acheter américain, me négocier avec eux. Mais en réalité, pas ça, vous c'est pire, vous voulez pire. C'est prêt, vous voulez prêt. Et vous connaissez Dieu le Père sur la terre, ou pas pour faire rien, ou pour obliger à accepter, ou bien disparaître. Et alors là, maintenant. Et là, nous sommes en période 1908-1910. Mais avant, ça veut dire que déjà là, on a une conjoncture historique 1911. Là. Et c'est dans la période, ça, côté américain, pour vous dire, il y a qu'en Haïti, la situation a détérioré. Mm-hmm. Parce qu'on parle d'entrer dans une période de ça, une cascade de gouvernement. Mm-hmm.
Et à l'époque... Le gouvernement intérimaire. Oui, même pas intérimaire, éphémère. Le gouvernement éphémère. Yeah. Ça veut dire que le président a fait 6 mois, 8 mois, 1 an, jusqu'à ce que vous tuiez. Des conditions difficiles. Donc, c'est ça que fait, à ce moment-là, on parle d'un politicien haïtien, Constantin Maillard, qui parle d'une phrase, j'étais dit, mais jusqu'où t'arrêteras-tu, peuple en délire? Gouvernement a succédé autant qu'on caravane en folie. Et c'est la raison pour laquelle Constantin Maillard lui-même, pour le dire définitivement, il ne sait pas qu'à gouverner tête. Il faut mettre un frein à barre ça, au lieu que pour nous arrêter notre désordre, ça, plutôt l'occupation. Ce sera la position de Constantin Maillard. Monsieur Pral dit tout, je préfère tout, au lieu de rester dans ce passé de honte, de boue, de désordre, d'instabilité. Monsieur dit, je ne sais pas, mais ça me capable. Si ça me capte en main blanc, je vais prendre en main. Mais arrêtez, j'en ai là, pas question. Nous ne sommes pas capables. Ce sera sa position. Tandis que Bobo lui-même, il prend le dos. Mais attendez, mais c'est pour une fatalité. Nous ne sommes pas obligés d'accepter ça. Pourquoi ça ne nous pas changer le comportement? Pourquoi ça ne nous pas mène à faire dans l'autre manière. Est-ce que ce n'est pas une solution de facilité accepter l'étranger à venir diriger nous, plutôt au lieu de demander nous pour nous changer de comportement? Ce sera, la réflexion de Bobo. Oui. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis, oui. Là, maintenant, ce monde a réfléchi, qui est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on prend position Constantin, hein? Constantin Maillard là, et qui est-ce qu'on choisit entre Palla et Rosalvo Bobo? Bon, gardez mon cap pour nous, il n'y a pas qu'une seule conception du patriotisme. Mais tant qu'on a l'autre mon cap d'auto, il y a des bagages qui ne sont pas négociables. Maintenant, l'opra aller tout, ou pral prendre position de Jacques-Nicolas Léger, qui était même période là, Américain pral offrir, M. le président d'Haïti. M. pral répondre, je suis pour Haïti, donc je ne suis pas pour les États-Unis. La préfusée. De nek ta kouga sa temaya avec tuta Tignav a pas accepté tutelle américaine. Bobo lui-même pral dire, je suis pour Haïti, donc obligatoirement, je suis contre les États-Unis. Parce que je connais que si on moun pour Haïti, intérêt Haïti pas conciliable avec intérêt américain, parce que l'Américain qui besoin pour le piller, je ne pas accepter ça. Après ça, tout ça, tout c'est hypocrisie. Ce n'est pas vrai, c'est menti. Bon, alors, maintenant, il y a une bagaille qui pourrait différencier Bobo tout de classe politique, période là. Monsieur Pral dit, donc, toutes les autres, ça là, on nous dit, moi, ça, que n'a pas obligé d'accepter tutelle blanc, n'a pas obligé d'accepter l'occupation américaine. Ça fait nous pas suspendre faire des autres, et puis nous mettre l'autre dans le pays à nous faire le marché. Mais Bobo, l'autre conception que n'est que Bobo dit, et ça fait lui-même, il pourrait faire un choix radical. Gen Antoine Bervin qui était contre Monsieur Bien, et me parlait de ça dans le livre là. Gen Stéphane Alexis était contre Monsieur Bien. Je parle dit Monsieur à un certain moment, mais docteur Bobo, on monte en cours. Soit le père du nom prend les âmes dans l'Utah, mais avec Kako. Bobo parle dit, on pourrait ça? Si son bat tête, on menti. Nous comptons très bien qu'en Haïti, pas rien sérieux qui a sorti pour payer à aucune élection. Nous comptons ça. Si l'élection a changé le pays d'Haïti, il a changé longtemps déjà. Ce n'est pas Boye Blazé, ce n'est pas Canal qui est président, c'est Boye Blazé. Ce n'est pas Toton Doc qui est président Santé Nofirmé. Nous comptons très bien, ce n'est pas vrai. Nous comptons très bien que. Donc, force... lui-même, il a opté pour les armes. Oui. Je dis, nous comptons très bien que depuis un monde sérieux, paraître là, candidat à la présidence, la fait campagne, nous pas voté pour lui. Et même le monde qui a voulu voter pour lui, on a effrayé, on a paniqué. Et qu'on a à l'époque, c'était élection au deuxième degré. Je dis que tu as pour député, un sénateur, son man racketé, oui. Ils vendent votre. Ah ben, prête là. Mais ça donc, quand il y a là, je dis, donc moi-même, je ne suis pas quoi dans nous, dans la fête d'Abdim et que Blanc ou Haïtien a l'élection. Nous, quand bien menti, c'est bluff lié. Je dis, donc à ce moment-là, moi-même, mal joint, naturellement, on m'a critiqué le choix, oui. Monsieur rejoint le mouvement Kakoa. Et puis, monsieur déclenche une lutte armée pour le prendre pouvoir. Alors, on nous fait un rappel de parcours, monsieur, à ce moment-là. Donc, le firmin quitte cette politique-là, monsieur reprendra pour féministe-là, mais en pire radical.
Et à ce moment-là, nous dans l'année 1911-1912, monsieur après que c'est sénatus le compte, mais non, non, pas réel, tu prends pouvoir par mouvement caco, mais un an après, pour dire pas aller à sauter, c'est sénatus disparaît à 300 soldats. Tangade Auguste succède à Assassinatus, Nego Cap Parel est toujours. Quelques était continué de politique progressiste Assassinatus là. Quelques mois plus tard, Tancred mourit, dit-on empoisonné. Après Tancred vient de mourir, Michel Aurès, premier président civil, monté. Monsieur a laissé fonds élection pour le contrôler, pour le faire des réformes. Pour le cas sûr que n'est pas le député à sénateur, c'est mon palué, pour faire passer Bayo, ça n'a pas fait comme ça, je suis tombé. Quand il y a là, on parle de l'autre mouvement Kako. Quand on parle de l'Eurès Zamo, qui parle distribuer l'argent dans les milieux paysans pauvres pour faire de l'extérieur des mercenaires dévoués à cause. Je t'ai assassinat sur le compte Tefel. Les amours, c'était Moun le compte. Il y a le réédité mouvement Kakoua. Je prends le pouvoir. Je fais paysan tourner mercenaires. Quand il y a Léo prend le pouvoir, David Mathéo d'Audicio, est-ce qu'il a passé comme ça? Il a passé tout. La stat mouvement tout quelques mois plus tard. Même genre, il a dissipé les âmes, dissipé l'argent. David m'a jeté au réseau. Mais Bobo était dans le mouvement d'Avilma. Monsieur a un potentiel dans le milieu populaire paysan. Monsieur allait pour l'exploiter le fois ça dans faveur pâle. Le David m'a pris le tombé. Parce que c'était ministre de d'Avilma. Et déjà sous d'Avilma, même Jean Sorezamo, même Jean avant, l'Amérique a fait gros pression pour que le gouvernement haïtien bali contrôle douane pays. Parce que le pays a en désordre, en dégringolade. À un point tel que Joseph Justin, qui était ministre dans le même cabinet à Bobo, pendant le Parlement, me dit, monsieur, j'ai un pays à il y a des gens qui croient que nous n'avons pas qu'à gouverner tête, nous, que nous avons besoin d'une tutelle étrangère. Il est presque ouvert bouche pour le dire, c'est vrai. Bobo, qui était dans le même cabinet à monsieur, comme ministre intérieur, qui était là à la chambre, ça. Bobo campé, il croit propre ministre par Elia. Et puis il dit jamais, ça ne peut pas me faire tout autant vivant. Et puis monsieur parle de cette fameuse phrase. Monsieur dit, je suis un Cerbère, placé aux portes de la patrie de Dessalines et de Pétion. Aucun blanc, pas mettre pied là à titre de maître. Oh, l'homme est pété. Un ministre a pourtant dit, l'autre ministre par Elia dans le même gouvernement. Mm-hmm. Donc, monsieur prend position claire. Face à blanc, face à américain, anti-impérialiste. C'est le premier homme politique haïtien qui a une position comme ça dans l'histoire pays. Aussi radical, aussi intransigeant. Quand il y a le David m'a tombé renversé par Vilma Guillaume Sam, monsieur tout comme des gnano, puis c'est non qui base le mouvement Kakoa, non, descend au plateau central. Monsieur a le restat mouvement, parce que monsieur dit pas aucun nous serait, donc j'en tape dit à la. Mm-hmm. Qu'après ici, président pour changer le pays à pas élection, c'est pas vrai. Mais monsieur, l'a ressuscité le mouvement Kakoa, n'a profité pas. Monsieur commençait par une dose d'idéologie anti-impérialiste. Et c'est ça qui peut permettre, quelques années plus tard, jouer dans le monde, tant que Joseph H. Joseph, que très peu de monde connaît, tant que Chalmé Béral, tant que Benoît Batrafil. C'est l'héritage Bobo. Donc, on dit à l'homme, il ne soit pas la paysanne, il ne soit pas aux âmes, il ne soit pas aux cobs. Il tout dit, le principal ennemi, on ne va pas le non. Le principal ennemi, on ne va pas le paraître sous scène. C'est la puissance américaine. C'est le vrai ennemi. C'est la raison pour laquelle l'Amérique n'est pas trompé, il est tout non, frère. Donc, on dit à l'homme, les villes bouins, pour faire répression, pour le camper, pour faire massacrer les gens dans la prison. Moun poto pres pral pral la rio, pral rache vil bren ambassade de France. Yo ouvel en bakout manchette. Américain tap veye, parce que Américain tap négocié à vil bren, mais Américain senti que li pas besoin de négocier encore. Parce que le senti pays a pral tombe non point que
Bagaille dans la porte automatique. Réaction la, dans la porte automatique. La mettre mes souliers. Ma goût a pu. Donc c'est ça que fait. Dernier représentant de vous, beaucoup de Villebrun. Villebrun a négocié avec le vrai. Et puis ils vont là, au jour matin, ils ont cherché monsieur dans toute la réponse presse, monsieur qui était payé sans avertissement. Représentant américain. Représentant américain. Parce que je dis monsieur retourner parce que je suis ami. Ben, il va le tomber là. Donc, on y a là, le ville est mort dans la rue. Capeton, amiral Capeton, qui est à bord bateau de guerre américain, t'es au large du Cap. Parce que vous connaissez plus de mieux sous scène politique haïtienne dans ce que vous avez bobo. Parce que monsieur est clair dans le jouet. Il a vu monsieur, il a vu le mouvement tout pli. Donc, le monsieur apprend que. Yo tué Villebrun dans la rue Port-au-Prince, monsieur courir descendre. Et puis là, ça le débarquait. Mais en même temps, tout, ils vont l'autre bateau vers au Cap. Et puis il dit, nous pral, il faut que nous fassions Jean avec Ozalou. C'est pas font Jean, monsieur. Monsieur prend pouvoir, il est pral plus difficile pour nous prendre pays. Ça. Alors, c'est là que vous arrivez, dans fin juillet, commencement août 1915. Côté destin aux Alvo Bobo pour aller jouer. Alors là, ils font une grande discussion politique. Est-ce qu'elle est capable de dire, répondre à Capeton, je ne vais pas venir dans un rendez-vous pour le ça. Parce que l'Américain n'est pas qui est oublié, pas en contrôle. Et puis il dit bon, le président mourit dans la rue, c'est fini, le pays a besoin de l'autre président. Mais fois, ça le président qui est contrôlé. L'idée que Jacques-Nicolas Léger, Jacques-Nicolas Léger dit non, je suis pour Haïti, donc je ne suis pas pour les États-Unis. Et puis, qu'on y a là, il a checké Datignav, Datignav dit pas un problème pour le collaborer américain, de toute façon, il n'y a pas de choix. Et puis, qu'on y a là, il a dit, mais le problème qui est, c'est qu'à travers le pays, il y a des comités formés pour accueillir Bobo comme le nouveau chef d'État. Il a déjà arrivé le chef du pouvoir exécutif. Et puis, Capeton dit des gros personnalités, comment on dit, bon, là, je dis, éminentes personnalités haïtiennes, haïtiennes, parmi lesquelles l'ancien président et Monseigneur, vous comprenez? Parce que Nega Soutane avec quoi Jésus a sous les stomacs, qui fait politique, puis red, parce que Nega costume et Nega sapate. Et puis, il y voyait au Cap pour convaincre Bobo, viens dans la réunion pour le prince, puis débattre de l'avenir pays. Les délégations arrivent. Dans un premier temps, Bobo n'a pas présenté. Il voit le monde, mais il t'attendait, ça cap dit à des en rideau. Dans un deuxième temps, M. Pral prend décision libre à aller. Mais là, il prend le monté bateau. Il y a un compagnon qui dit, le docteur Bobo, je crois que vous faites une erreur. Parce que ce monté bateau, ça vous prisonnier. Vous quittez force dans l'eau. Ou descendre pour le prince. Mais Dodo, Bobo pensait que, à Port-au-Prince, il y a un comité révolutionnaire qui montait, qui monte, parle, en bonne. Parmi lesquels, il y a un qui filant Villebrun, qui est là. Monsieur peut-être pensait que l'Igon a tout dans la main. Effectivement, monsieur monte bateau, hein? Là, monsieur arrive à Port-au-Prince. Il accueille monsieur avec des ovations populaires extraordinaires, presque comparables à l'entrée de Sylvain Salnave. À Port-au-Prince, en 1867. Monsieur a une popularité monstre. Donc, pas de moyens pour lui, peut-être. Pour le pas président. Pour le pas président. Mais c'était bien compté, mal calculé. Mais bien sûr. Parce que quand il y a là, Américain recevoir monsieur avec un pile entre gens. Et c'est la deuxième erreur, monsieur fait. Bobo est un homme politique haïtien du 19e siècle, du début du 20e siècle. Avec limite. En face, il y a des militaires politiques américains qui ont tout le bagage matériel et intellectuel pour mener la mission. Je dis bien, tout le bagage matériel et intellectuel pour mener la mission. Donc, en d'autres termes, monsieur lui-même paraît là, devant monsieur, certain de popularité. Certains de poids politique, c'est vrai. Mais est-ce que Bobo a gagné assez de formation politique pour être capable d'affronter M. Sayo?
Est-ce que le rapport de force n'est pas déjà en défaveur? Il n'y a pas un comportement, on est capable de dire, très digne, à un point tel que l'adjoint à Mira Capitan, le capitaine Beach, pral dit, monsieur, mon cher, je respecte, si je suis en place, c'est le même comportement, je vais gagner pour me défendre le pays. Parce que ils vont leur pour dire, monsieur, si la tigre n'a pas président, et que le mandat collabore avec, l'escouade collabore avec, je n'étais pas dans condition que monsieur le président. Je dis non, il n'y a pas question. Parce que Bobo dit, s'il n'est pas choulou, c'est le traduit là. Mm-hmm. S'il n'est pas domestique ou s'il n'est pas choulou, oui, je collabore avec elle. C'est Haïti intérieur librement. Mais vous n'êtes pas capable de prendre monsieur, vous mettez l'air pour comprendre qu'on est pour dire que je collabore avec lui. Non, c'est domestique ou lui, il n'est pas président d'Haïti. Je mm-hmm. dis non, carrément. Tandis que le monde est d'Atignav, en politique, c'est madré. Si Bobo président, je compte très bien Bobo président. Est-ce qu'on collabore avec elle? S'il m'a dit ça, Dassin Abdi, on n'a pas de problème pour me collaborer avec Dr. Bobo. Donc, la TIGDA vend tête comme démocrate, entre guillemets, tandis que Bobo paraît intransigeant, radical, etc. Maintenant, qui s'accrivait? C'est qu'effectivement, l'Amérique contrôle le Parlement, et puis le 12 août, monsieur le parlementaire élu de la TIGDA président. Bobo son grain de voir, il était jeune, je ne sais pas. Il t'attendait à ça, il n'y a pas de aucune illusion. Et maintenant, je me suis décidé donc que je ne pas vivre contre ça. Je quitte le pays. L'homme se quitte le pays, d'abord, là, les Cuba. Là, les Cuba, la classe politique cubaine des peurs, monsieur. Parce qu'on a à l'époque Cuba contrôlée par les Américains. Et même bagage doux, article journal a dénoncé Bobo comme on est qui vient exciter le peuple cubain. Parce que la politique cubaine à l'époque était très dominée par cette histoire de les grands politiciens, grands propriétaires blancs d'origine espagnole. Tandis que le reste du monde Cuba, c'est des mondes largement noirs et mulâtres. Donc il y a une expression politique par eux, il y a des rêves par eux, il y a des projets par eux pour Cuba. Et mon dieu dit, nous pas qu'à quitter ça là, nos pays là, parce que nous sommes excités. Et bon, nek pareli yo, nou ami la pareli, contre nous-mêmes, dans cet emblan. Donc, femme ça le fait outli. Monsieur pas fait plus qu'on moi qui va. Yo poussé do monsieur jeté le Jamaïque. Là, monsieur arrivé Jamaïque, monsieur pral vivre de son art, la médecine. Monsieur pral un très brillant médecin Jamaïque. À un point tel que même gouverneur anglais Jamaïque, là, pral fait de bobo médecin particulier. Et qu'on a l'époque, la Jamaïque était très fréquentée par Haïtiens. Tout Haïtien qui était là, Tédou, clinique Dr Bobo, toujours chargée. Un point tel que ça soulevait jalousie. Médecin anglais Jamaïque qui nous voilà un homme qui vient un diplôme français, qui n'a pas passé examen équivalence et puis qui a exercé. Monsieur disait, c'est ça le problème, nous, on va le composer à Londres, pas un problème. Là, monsieur arrive à Londres, et puis Juria à poser monsieur question, c'est tellement à répondre question, quand dernière question monsieur répond et puis on une même jurio qui dit mais bagay ça monsieur dit oh eh ben nous parler livre pour livre médecine nous je dis est-ce que nous permettre moi lever un petit moment monsieur aller là la bibliothèque université à Rallon li monsieur dit mais référence là lili et puis monsieur chita et puis en bon des gros cap monsieur dit arrêtez à toi arrêtez arrêtez et puis obligé bal l'équivalence là. Donc, monsieur allé à Jamaïque, de continuer, et puis ils vont là, monsieur allé à Paris. Là, monsieur arrivé à Paris, il peut vivre là. Et puis, il y a un Haïtien qui est à Paris, qui n'est pas trop aimé Bobo, qui était toujours trouvé Bobo, son des congents, intransigeants, radicals, on est qui connaît la tête, un peu trop. Et puis, c'est parce que c'est un des consacres de témoignage ça, qui fait moi pour raconter ça. On a annoncé un grand débat qui pourra le faire dans l'amphithéâtre, faculté de médecine à Paris. Il y a deux grands savants qui pourra discuter d'un type de maladie. Et puis effectivement, dans la foule, on voit, monsieur, deux savants français ont toqué cogno, bête à tomber. Et puis il y a un là qui dit, bon, comme nous ne pouvons pas entendre, non, sur qu'est-ce qui est tort, qu'est-ce qui a raison. Dans la salle, il y a l'éminent savant haïtien, le docteur Rosalvo Bobo. Nous avons demandé si ça va déranger le monter sous scène
pour le trancher débat, pour dire à nous deux, qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison. Je me dit, Bobo, bien volontiers, camper, les monter sous celle-là. Et puis, je me développe une argumentation côté du corriger carré tous les deux. Je dis, même quand on a raison, mais quand on a tort, ou même tout. Et puis, Bobo dit, mes vérités scientifiques là. Je dis, joue ça, ça l'a crasé. Tellement mon abat bravo, mon abat applaudi. Pouti haïtien. Pouti haïtien. Je me suis dit, ouais, joue ça. Je me suis raconté ça. Je me suis dit, ouais, joue ça. Je me criais d'émotion. Je dis, mon Dieu, tellement. Je me suis dit, mais il est haïtien. C'est un haïtien. C'est un haïtien. Je me suis dit, mais joue ça, c'est pas haïtien déjà. Je te demande de me payer pour ma haïtien, me payer n'importe quoi. Je me suis dit, monsieur, c'est next ça. Je ne veux pas quitter, dire que j'ai payé à monsieur. Et puis, finalement. Non, mais pourquoi dire ça là, je m'imagine aujourd'hui, hein, ça n'est devenu. Bon, eh bien, c'est tout l'avertissement, ça, monsieur, sur la table là, oui, que si nous ne mettons pas l'ordre d'entre nous, que finalement, on a perdu le pays. Et puis, étranger a fait ça, ouvrir la donne. Parce qu'en plus du fait qu'on a Michel Sokar, qui est capable de représenter Haïti, ou a tel autre monde encore, mais aujourd'hui, on a l'impression sur la scène internationale, là, de pourriver où disait Haïtien, vous voyez. Les exploits de Bobo et tant d'autres pas existé encore. Ça dit pas... Bon, le problème qui gagne tout, c'est qu'il ne pas apprendre nos histoires, nous, assez tout. Nous ne savons pas qui sont sortis. Oui, mais est-ce qu'il y a intérêt à nous? Non, mais c'est nous pour faire travail, nous. Et nous pour faire. Pas de monde qui a fait pour Wendel. Même si je n'ai pas de monde qui a pris Haïti, autre qu'Haïtien, pas de monde qui a fait Haïtien, qu'on est salué, autre qu'Haïtien pareil. Mais moi, quand tu es là, toujours crété, par exemple, lors ils vont côté, où est le drapeau haïtien à flotter, où est le drapeau, où sentit-on, où sentit-on une vibration, c'est normal, sentimental. Mais quand on arrive là, quand on arrive là, sur ce pays, on n'a pas plaidé faire bêtises, Michel Sokar. Bon, alors, bon, effectivement, bêtises, n'est pas juste, comment c'est fait. Nous commençons à faire depuis la naissance. Mais il faut que nous suspendions le. Oh, bon, mais le problème qu'il y a, c'est que, Bobo te dit ça, c'est que, malgré tous les avertissements qu'a bail, parce que ce n'est pas deux haïtiens, deux intellectuels haïtiens qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas averti, sociologues, économistes, littérateurs, historiens, etc. Mais c'est comme si Mtadou, il parlait dans le désert. Il n'y a pas tant de yo. Il n'y a pas tant de yo. Étranger, tant de yo, oui. Et étranger catalogué, yo. Il dit, ah, monsieur, nous, car c'est Babel. Ah, monsieur, son danger. Ah, monsieur, c'est. L'étranger a lié, yo. Tandis que nous-mêmes, yo sortons dans le sein, nous. Yo écrit pour nous. Et c'est ça fait dans tes belles gardes, te disons-le. Monsieur, te dit, à chaque fois, on me dit qu'intellectuel, il ne s'est pas fait travailler, moi, son monde sautouille. Je dis, est-ce que vous connaissez combien d'intellectuels haïtiens à chaque fois vous prenez responsabilité dans le fait travail dans le pays d'Haïti, c'est ou bien vous foutez en prison. Ou bien vous touillez. Ou bien vous exilez, ou bien vous touillez. Je dis, qui est pour faire travail dans quoi là? Bon, ou bien vous prenez pouvoir. Bon, Léal prend pouvoir, vous combattez. Vous prenez des exemples. Vous prenez Firmin, vous prenez Bobo, vous prenez Edmond Paul, vous prenez Ebazé, tant d'autres. Nous avons un problème. Ah, donc ça veut dire que. Nous toujours mettons le pays dans la position que le bon pays sont contre alliés et côté gagné des étrangers avec leurs satellites haïtiens qui servent à Abel pour faire l'argent seulement. Et n'importe qui l'argent. Michel, on peut un petit pause et après. On connaît Diakout l'a chargé, pile bagage côté. Oui, effectivement. Effectivement. Mais on collabore. Oui, effectivement. Et pour ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Sokar est notre invité ce matin. Il nous présente les écrits politiques de Rosalvo Bobo. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Invitez-nous, c'est... Il y a un monde qui est en pile haïtien, c'est Michel Sokar. Et je dis de façon spéciale, parlez-nous de Rosalvo Bobo à travers ses écrits politiques. On allait maintenant sur Sande Kapabwele, héritage. Qui ça, monsieur, qui était pour nous? Bon, tout d'abord, Bobo a été le premier vraiment à dénoncer ça, les menaces impérialistes.
Ça, c'est le premier bagage qui est à l'actif, monsieur, dans l'histoire des luttes idéologiques et politiques en Haïti. Et c'est ça que fait tout le monde qui a préclamé, capable de tendance ça, normalement, il faut lire les écrits politiques de Rosalvo. Même gens, à Cuba, il y a un Cubain qui n'est pas foutu par lire au Sémati. Il faut lire au Sémati. Mais quelle différence vous faites entre monsieur et ses mentors, Firmin? Ah, ben la grande différence, c'est que c'est ça que je disais tout à l'heure, monsieur Pacquet n'a fait parlement. Monsieur doit faire parlement son refuge de coquins et de raquettins. Monsieur doit joindre deux ou trois mounes valables, mais 98% de la dèvre, tout c'est comme il vient faire. Pas grand fait pays qui a pris le parlement. Et remarquez bien, monsieur doit ça, à partir de. Attends, monsieur. Nous avons qui année là? Nous avons 1800. Non, là, on est au début du 20e siècle. Le monsieur a dit quoi, c'est 1874-1929, c'était. C'est Vili. C'est Vili, monsieur. Mais maintenant, monsieur dit, c'est Antoine Bervin qui lui dit ça. Là, Antoine Bervin a rencontré monsieur à Paris en exil pour dire, monsieur, mais docteur Bobo, comment se fait-il? On a fait de prendre les armes, bagailles, sous tes candidats ou faire élection, ou t'es qu'à passer. Il dit, c'est son bâté, ton bâti, mon cher. C'est tout le monde d'hypocrisie, pour qu'il y ait blanc, qui doit faire des élections. Blanc, on très bien, on ne peut pas rien là-dedans. Ça, c'est manipuler tout. Et que mon adai, c'est capable de se capable de démocrate, tu es volé. Puis dit, bon, mon d'ailleurs, qui chita là, dans le Parlement, comme député dans le Sénat, ça fait pas une église. Ça fait Haïti une église. Et au contraire, c'est bizarre là. Où t'as dit la parler pour Haïti, mais Georges Clemenceau, qui était premier ministre en France, président du Conseil, qui gagne la guerre 14-18 là, qui était député, Georges Clemenceau, son monde va chercher intérêt à la France dans le Parlement, ou aller. C'est plus mauvais ou de bourrin. Parce que tout le temps qu'il a, c'est intérêt, petit groupe, petit parti, qu'il s'est abrégué. Pas d'intérêt, la France, on s'est abrégué là. Et ça fait une église. Donc, ce problème n'est pas uniquement haïtien alors. Il y a un système là même. Il y a toujours un vote à marchandise. Et même dans le système anglo-saxon, côté où est, pour qui côté mon lobby a sorti. Lobby a sorti dans le fait que tu es toujours un sale vide. Oui. Tu es toujours un marché là dans lobby. Il y a cherché député à sénateur pour corrompre. Vous dites voter telle loi, moins voter ceci, moins en faveur telle compagnie, telle grosse. Ou bien, je n'ai qu'à dire ça pour public là. Et là, on parle de lobby, on parle de salle d'attente qui est en bas. Exactement. Voilà, c'est là moi sorti. Donc, ça fait bobo du comme ça. Ou pas qu'à bon monde. Qui est porteur d'une idéologie, d'un projet politique, qui veut changer un système. Le système dans lui-même, l'échita sur la violence et la corruption, il a bien marché, il a bien fonctionné. Et pour comprendre que Mounzaïo a fait comme ça dans le système de ne pas voter pour vous, vous entendez ça. Mais Michel Souka, ça qui explique ça, quand même, ce système avec ses défauts et ses qualités fonctionnait dans le pays. Attention, parce que dans le pays ça a eu, ou gagné ça a eu, dans le sens sérieux du mot, ou gagné l'élite qui a pensé et qui a agi. Et qui connaît pour être très simple, que s'il voulait continuer à bien manger, j'ai la manger, il faut que reste société à un minimum. Que les gens pays à organiser, c'est pour un comptoir. Bon, ici, c'est un comptoir, nous, à Haïti. Nous parlons en termes de pays. Je ne sais pas jusqu'à présent, pendant ma parole, quand là, grand pile haïtien comprend, vous avez dit pays, non? Je ne sais pas ça, non? Honnêtement, je ne sais pas. Et je ne sais pas tout, même comprendre, ça veut dire l'État. Est-ce que Michel Souka, d'après vous-même, façon petit bébé, ça a pris naissance, est-ce que les gagnants pour l'ouer avec ça nous devenu? Parce que on va parler de bébé que l'Haïti a. Oui. Oui, certainement. Est-ce que c'est des conditions internes, des conditions externes, yo, pas de favorable, bon croissance normale. Parce que Jean Historie Ford Logan t'a toujours dit, Jean Haïti fait là, il paraît tant qu'on défie, tant qu'on anomalie, tant qu'on menace pour intérêt les grandes puissances esclavagistes, colonialistes et racistes. Donc, si moun ça pas d'intérêt pour ta vivre, pas d'intérêt là-dedans. Bon, on peut comprendre perception. Maintenant, nous-mêmes tout. C'est l'âme d'abord. Je paye à fait là. Qui moi que nous dégainons pour avec propre moyen nous occuper Timounza
pour le capable grandir. Est-ce que nous avons fait les bons choix? Non. Donc, il y a un pile et un pile mauvais choix qui fait que si nous avons sorti, nous capable de dire malingre, fuck top. Donc, c'est ça qu'on appelle là. Non, mais écoutez, Michel Souka. Pourquoi cette période-là? Moi, ces dernières années, mon potent pile accent avec raison. Soit fait de indemnité, dette indépendance, la double dette et tout. Pourquoi ça qui dit? C'est que même quand monsieur a une dette là pour payer, si tu restes là avec ta tria, au lieu que tu fais bien à payer, tu as dit la vie d'un pile là-dedans. Donc, problème non, là encore, c'est nous-mêmes. Et c'est ça que je parle de Michel Souka. C'est vrai que l'international capable de blâmer nous, parce que. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Parce que. Non, mais et nous-mêmes, on allait au-delà de responsabilité noire. Ça qui empêche, par exemple, un sursaut qui fait. Pour Haïtien Audi, tu as dit. Non, nous pas d'accord, continuer à vivre dans cette situation. Ça, nous pas d'accord, ça qui a passé dans le pays, là, aujourd'hui, là. Vous pensez que si nous prenons une décision pour nous mener le pays, nous, côté nous-mêmes, nous voulons, blanc, pas l'empêcher de faire? Wendell, on pose peut-être nos questions. Souvent des Américains, souvent des Anglais, des mondes, n'importe quel autre peuple, qui n'est pays plus ou moins marché bien. Qu'est-ce qui ministre? Commerce, travail, éducation, il va en même. Qu'est-ce qui député, qu'est-ce qui sénateur? Peut-être député, si la constitution parle là, le connaît. Bon, il y a des côtés même, soit pour un pays comme l'Allemagne, il y a plus le monde. C'est le premier ministre, on connaît pas le monde, qu'est-ce qui est président. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que le monde a travaillé pour le faire. C'est pour un pays misé, c'est pour un pays chômage, c'est pour un pays côté la politique et la principale industrie. C'est pour un pays de militants. Côté l'État. Non, ici, à mon militant, ils sont galvaudés. Ce n'est pas des pays côté capable de dire l'État, c'est principal employeur, il faut faire comme on est pour monter dans l'État. Même les qui dans le secteur privé qui fait comme ça, si l'État n'a pas le contrat, pas le passé, il ne peut pas faire comme ça. Donc, il faut là le contrôler l'État. Il faut que le président se monde parle, il faut que le sénateur député le gagne quelque chose. Donc, le nom pays ou a patogé dans la misère, et en plus, marié avec l'ignorance, ou pas qu'à gagner l'autre comportement. Donc, nous, même nous, même nous, pas qu'à faire rien. Fait pour le connaître, pour le minimum, zèle l'État dans le pour le vivre. Ok. C'est okay. Ça de l'amener. Ok, Michel Souka. Et le ça, ou pas faire politique. Ok. Son nom, bah, ou fait, mais okay. Mais pays, c'est pas politique. Les. Ok, Haïti, tu as un problème même au niveau de conception. OK? Il continue le charge avec problème, la tomber levé, tomber levé, tomber levé. Nous pas capable de diriger. Regardez ça comment il en dit et Constantin Maya pour me reprendre rappel loin. Pour Jean Louis pays ça là et si nous croyons que nous même nous ca diriger pourquoi nous chirer. Jodi a encore même power ça. Gen pile haïtien se pose aux questions ça y a du même bagaille là. Il y a du quoi si Haïtien était capable de diriger le pays pour continuer à diriger, est-ce que, bien qu'on a pris un pile qui dit que c'est nous-mêmes pour prendre responsabilité pour nous diriger, que nous dit Blanc, ça nous voulait, nous dit que bon, nous, grand monde, Haïti souverain. Mais en même temps, tout, on a pris une autre catégorie Haïtien qui dit que non, ça nous est là, mon cher, occupation, on ne peut pas déranger nous. Michel Souka, ou pas, ouais, que à travers toute péripétie que nous passons, tu as semblé qu'il y a une possibilité pour payer une plus grave que j'en ai. Mais c'est encore une maladie. De petit bouton, c'est chez mes malignes. Ou pas soit malignes. La vie n'est pas mal. Jusqu'à ce que c'est le bon gars qui tue honnête. C'est ça lié, c'est la logique scientifique, oui. Pas une maladie qu'on pas soit elle qui pas toujours, ils vont là. Faut qu'on ait qui soit gagnant pour qu'ils soient malades et prendre des mesures. Et mais c'est la même histoire. Il n'y a pas sorti de là. Donc, l'avenir d'Haïti est beaucoup plus sombre que Jean Louis Jodian là. Tout autant que nous avons responsabilité, nous peut-être. Je vais vous causer. Oui. Ma prépétion va me dire tout à l'heure. Sous-mandé, en pile haïtien, toute classe sociale, qui sont payés pour ça, ça veut dire un pays. Ça veut dire un l'État.
Je suis content d'un peu le monde dit ah, nous pas faire pays. Bon, d'accord, c'est vrai. Mais qui ça veut dire faire un pays? Qui ça lie un pays? Et bon côté, c'est bon contre toi. C'est-à-dire son territoire qu'on organise pour le monde capable de vivre tant qu'on monde. C'est ça lié. Mm-hmm. Est-ce que nous prenons disposition pour ça? Et vous marquez bien, à chaque fois dans l'histoire pays, vous avez un dirigeant qui font un petit effort pour sentir la différence. Là. Même quand le pas arrivé président, dans le cas d'estimé, 3 ans et quelques mois, il m'a rien fait. Et puis il remet tout ça, il remet là. Oui. Malgré tout, il y a tout problème au carnaval. Ok? Mm-hmm. Ou bien tu as confirmé sous Hippolyte, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, ministre des Finances, qui remet l'ordre dans l'administration. Et président, on des zones. Président, on des zones, il faut la ville, on des zones. Pour que tu n'aies pas l'argent pour le bail femme. Malgré tout, firmer met un minimum d'autres. Sous Tiresias, les pays ont des zones encore. Je vous le dis, monsieur. Monsieur, comment ça met un minimum d'autres? Je combatte les. Ce n'est pas pour rien qu'on ait un paquet de jeunes garçons qui voulaient filmer le président. Je te dis, que comme simple ministre, ça n'est pas la remettre. C'est comme si nous la force du mal li supérieur à force frère, du bien. Il y a deux barrières, par exemple, jouer avec la nature humaine. C'est l'homme mon grand goût impact force que corruption est sur lui. Parce que mon cabin corrompu à la pauvreté, ça a besoin pour soulager grand goût là, pour madame ni appétit, il pas tomber dans grand goût. Ou même ou pas ka ou fili parce qu'ou pas gen. Ou même ou vin bal parole. Parole va vouer dans marché. Maintenant, deuxième bagay qui gen, la violence. Gengou a son violence ou lié. Quel est moun qui comprenne violence à son affaire zam seulement? Non. Gengou a son violence lié. Et là où est que ou kembe yon peuple, non situation de fragilité, de misère, eh bien, son contrainte, oui. Ça veut dire que c'est un coup, ils ont été, qu'ils ont mouillé, puis ils ont été malléables pour faire ça ou là avec elle. Parce qu'on peut, c'est ça lié. Son matière première, qu'on travaille, qu'on forge, qu'on façonne. Sous qu'on bon leadership, eh bien, la même loin. Mais sous un mauvais leadership, la mettre au bas. Donc c'est tout bagaille ça pour nous bien comprendre. L'homme on dit ça, ouvre les faits pays. Moi je dis, ouvre les faits pays. Mais c'est le monde qui fait pays. Hein? C'est pas, bon Dieu pas faire beau, bon Dieu pas faire politique, j'aime toujours dire. Là. Politique c'est une façon humaine. Mais maintenant, s'ouvre les faits pays, à qui on ouvre les faits? À qui moyen on ouvre les faits? Qui plan on pour faire? C'est toute question ça pour répondre de tout. Maintenant, si vous dites comme ça, vous voulez aller dans l'État pour régler la force, vous n'avez pas fait pays là. Et c'est ça que la plupart du temps qu'en Haïti nous fait. Aller sous pouvoir. Pour régler la force. Yeah. Ça, vous n'avez pas fait pays là. Ou toujours continuer à considérer Haïti tant qu'on compte. Mon cher frère, je pense que j'étais gagné un monde que nous avons dit 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 que nous avons dit. Et puis moi, je descends de machine à l'époque, c'est un gros BMW. Et puis je parquais devant pile fatra, mais où était dans le ridicule. Quand tu as dit ça, Mabdo? Ah, vous dites que 82, oui, sous Jean-Claude Duvalier. 82, c'est ça, même Mabdo. Je ne sais pas que BMW là devant pile fatra, parce que c'était un gros appli qui est tombé la veille. Et puis là, je descends de machine, là, maintenant j'ai un cigare en bouche. C'était un plus gros importateur, exportateur, dans le ridicule. Je me dis, monsieur, bon, ça ne va pas déranger.
pour une machine BM à l'époque, qui t'a coûté 75 000 dollars américains, pour pas qu'elle devant pile fatra. Je me suis dit, mais c'est où pas comprendre que c'est pile fatra qui bombe BM, non? Autant de réponses ça. Mm-hmm. Tu dis, c'est où pas comprendre? Sauf que je ne comprends pas comment c'est. Ah, ben c'est parce que le pays a son pile fatra qui fait qu'elle a roulé en BM et qu'elle fait ça le vrai. Donc, qui est-ce qui a roulé en pile fatra encore? Mm-hmm. Et bon, ça a passé, je me dis, ben, comme c'est comme ça, l'avenir a connu, si pile fatra a bon bout, pas de problème, non? Je dis, il est possible de se rêver, mon compère. Nous sommes en 82. Eh bien, individu ça, qui m'a dit là, 12 ans plus tard, les chita dans la machine, il bosse à quelqu'un, il flanque une balle dans la tête. Ok? Ce même individu. Oui. Alors, là où pas vivre, on côté pour aménager, pour faire des lions pays, et qu'on comprenne, c'est ou même seul qui compte le bouchon qui a bien mené, il faut attendre à n'importe quel moment tout pour récolter son cimère. Je comprends. Alors, il y a un peu de monde, alors c'est Christ, oui, il a voyagé, il a étudié, il y a un calotte bon, il y a une maîtrise, il y a un doctorat de toute qualité. Et puis là, il descend avion là, n'importe là, il n'y a aucun problème pour rentrer tout droit, pour nager dans le marécage haïtien. Il est à l'aise, Adam. À l'aise. C'est comme si tout ça était ouais. Oubliez-le. Non, je ne comprends pas oublier. Ça, c'est pour pays étrangers. Mm-hmm. Et donc, d'ado, c'est pas pour haïtien. Haïtien, mais ce n'est pas là. C'est pile fatra qui bat bien. Il y a un auditeur qui bande pour me poser une question pour lui. Oui. Qui j'en construit élite ça que l'autre pays a arrivé à construire pour transformer le pays par nous? Première bagage, je t'ai dit ça, est-ce qu'elle veut livrer? Son monde que je connais. Bon. Et qui est à l'étranger. Pas de. M'a donc causé. Ou un type de question ça? Moi, je compte de tout côté où Wendel m'a fait conférence, de tout côté m'a fait interview. Et toujours une réponse très simple pour eux. Où est le monde qui veut faire pays? C'est le monde qui non seulement qui connaît, ça veut dire un pays. Parce que, well. C'est aussi, même si on ne peut pas voyager, ou qu'à voyager dans les réseaux sociaux seulement, pour regarder bah, un pays l'autre bord, il y a d'autres qui ont fonctionné, qualité comme ça. Mais ce n'est pas tombé du ciel, non? Il y a des gens qui ont dit, ben, pour ça. Tout pays où est campé là, qui n'a pas de mire, qui est groupé, c'est des gens qui ont dit, oui, pour ça. Et bien, Jésus n'a pas fait pour eux, ni loi, non? Ni esprit, non. C'est volonté, c'est courage, c'est intelligence. Donc, au contraire, si c'est bon Dieu qui va vous servir, eh bien, bon Dieu va perdre du temps de créer. Il honore le travail, bon Dieu. Tandis que nous-mêmes, bon Dieu va nous servir, il va nous toute qualité, et puis on a compté sur les deux jours, on n'a pas merdé d'elle, dans des chalets, dans d'elle. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Difficile, ben, tout ça, mais c'est lui qui fait le job là pour nous. Et puis nous attendons. Et bien, attendons toujours. Nous parasites. Non, nous pas parasites, nous lâches. C'est ça le problème. Ouvre le pays, ouvre le changer pays, mettez-vous sous table là. Je répète le tout le temps. Toute la journée, dans des gens qui disent, oh oui, bagage, etc., des salines, tout simple, et tchon, etc., et gros garçons. Oui, mais vous êtes mis vieux sous table là. Ah ouais. Vous êtes mis vieux sous table là. Paris pour mourir. Ah ouais. Ça veut dire, ouvre le pays. Eh bien, frère, on t'a passé. Oui, mais il y a l'autre monde qui dit l'autre bagarre. Excusez-moi, il y a l'autre monde qui dit que si nèg ça est capable, surtout qu'a une réaction en bas de côté. Non, 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 ça dit là totalement absurde. Sur son l'autre bagarre pour dire. C'est pour dire que processus historique qui passé de période nèg ça, tu fais ça au faire. À aujourd'hui, et bien, il y a des qualités qui passent dans l'histoire, nous, on dirait qu'ils démentibilent comme monde. Et là, comme d'ado,
ou pour con, ou passer le long moulin. À la longue, il s'est passé. Quand on a chiré, il est déjà bien. Mm-hmm. Et bien, on dirait que de période ça, étant qu'on a même dit ça avant hier, il dit, mon cher, il a demandé si monsieur sort haïtien. Non, il n'y a pas d'haïtien. Haïtien, on peut le créer après. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Mais après ça, il y a un paquet de qualités épreuves. Non seulement il y a l'héritage colonial, tant qu'on place David t'a dit, mais il y a plus que ça. Mm-hmm. Michel. Nous... Occupation américaine 1915-1934, là. Faut moun pas jouer avec, non? Parce que les démantibilés ont un paquet de bagailles qui étaient contre camper dans le pays, ça, pour être capable d'assurer la domination. Et mes résultats après plus que 100 ans. Mm-hmm. Par exemple. Ah, ben mon frère. Ça a démantibilé, oh. Oui, bien, qu'elle fait, vous avez beaucoup de vivre. Je démantibile d'abord l'héritage Boboa. Toute équipe moun sa dans nos paysans sa yo, comme c'était qu'on parlait avec yo. Mais d'am nan me yo, comment se baye yo, idéologie patriotique, et se paye à l'est, qui parle baye Charlemagne Peralta là, qui parle baye Batraville là. Le yo fin éliminer Bobo, américain nan nos, soit le corrompio, soit le tué yo. Ou pour un acteur comme Joseph Jean-Joseph, qui est un ancien militaire, qui prend l'héritage Boboa, qui organise la résistance Kakoa, dans une grande rivière du Nord, il fait expédition armée contre troupes, il n'a pas réussi à prendre. Qui ça, Américain fait? Américain a arrêté au Cap, ni madame, ni petite, il a dit, monsieur, si vous n'avez pas venu, on a figé tout. Monsieur, obligé de venir. Américains étaient campés dans le Nord, la plus grande machine de mort qui jamais été établie sur le territoire haïtien depuis 1804, qui n'a jamais existé. C'est le fort de Chabert, qui est au camp d'extermination. D'après le monde qui tentait vivant là, ça n'a pas existé. Il y a des milliers d'Haïtiens qui ont tué là. Et c'est même côté ça où je ne pas caracol là. Et ce n'est pas pour rien que les Clinton mettent là. C'est pour effacer à faire Chabella de la mémoire. Mmh. Et tout bas ça, oui, qui parle de qualité haïtienne là. Des gens qui toujours pas remettre à genoux devant blanc, des gens qui soumis, des gens qui remettent l'Amérique pays à temps pour Dieu les paix. Et tout bas ça, on parle mettre là. Mmh. Et on parle créer un instrument tout, que les gendarmes d'Haïti, garde d'Haïti, la médaille d'Haïti, FADH, juste pour contrôler la vie militaire et la vie politique dans le pays, mm-hmm. de manière à ce que des ponts gouvernement pas marcher dans le sens du coup d'État. Mm. Michel, malheureusement, nous pas fini. Nous avons été 3 minutes pour finir. 20 signatures du livre-là. 20 signatures du livre-là, c'est vendredi et samedi, quand je viens là, dans l'école des frères de Pétionville, pour place Saint-Pierre-là. Après le livre-là, c'est 2000 gouttes. Et comme d'habitude, après l'autre titre tout, que nous habitués, que nous avons publié dans la collection Texte Trouvé, c'est toi édition. Mm-hmm. Donc, Rosalvo Bobo, je pense que c'est un monde, que tout le monde qui réclamait au de sa roule, ils ont pensé patriotique, ont pensé anti-impérialiste, ou fait pour qu'on ait M. ça, ou fait pour l'île, ou fait pour qu'on ait héritage. Mm. Mais on dit, monsieur, pas ton simple médecin. Ah! Ça va pas être dans l'autre domaine là. Vous avez 2 minutes. Bon, maintenant 2 minutes. Alors, bon maintenant 1 minute et demie pour me poser une autre question. 1 minute et demie, comme parce qu'on a fait 3 minutes pour nous aller. Bon, Rosalvo Bobo, c'est un personnage de son vivant, bien sûr. Ou même dit de son vivant. Mm-hmm. C'est son monde qui était quoi tout dans l'ésotérisme. Oh. J'ai pratiqué ça un peu. Mon cher, Gomba et Kemviv qui sont qui fait que me dit que bon. Il y a des bagages qui sont étranges. Vous connaissez quand M. Mouri à Paris, il y a 2 faits qui vous frappent au monde. Premier fait, M. Mouri à Paris, il a enterré M. au Père Lachaise. Père Lachaise, son cimetière à Paris, bien organisé, etc. L'historien haïtien Jean Fouchard, de regretter mémoire, dit que les Laldais joignent tombe M. par un jeune homme. Comment vous voulez rentrer au Père Lachaise à Paris ou dire Rosalvo Bobo, on est qui était connu de son temps, et il est fini, ou besoin de tomber, monsieur, ou pas de tomber. Ça s'est passé. Ah, ben la grande question, qui s'est passé? Personne ne sait. Monsieur dit, non, placement, il dit, ah, mon tombe, tout à fait anonyme, qui n'a pas aucun stèle, qui n'a pas rien gravé sous lui, il n'est pas capable, Rosalvo Bobo. C'est on est qui était trop connu.
pour là, pas grand mot sur map qui écrit CJ aux Alvo Bobo 1876-1929. Je suppose que le début avec famille. Ça, c'est un. Ça, c'est un mystère qui était. Deuxième, ben, alors, dans les années 87-88, moi, contre un monde que je me déconne, mais je me déconne, pendant tout le temps que je me déconne, je souffrais mal tête. Et puis, là, moi, je me dis comme ça, ah, comment fait problème mal tête là? Je me dis, ah non, pour me dire, problème, ça résout. Je me dis, ah, comment le faire résoudre là? Tu es un médecin, je me dis, oui. Et docteur Bobo guérit, moi. Je me dis, docteur Bobo. Moi, docteur Bobo. Je me dis, je me dis, quand on te souffre mal tête, je me dis, on était pas bon. Parce que docteur Bobo, on parlait là, c'est pas où ça, Bobo, je me dis, oui. Je me dis, mais son équipe mourit depuis 1929, c'est 1986-1987, oui, mais voilà. Mm-hmm. Ça fait presque 60 ans. Monsieur de Samdoula et ça. Il me dit, ah bon, et comment ça? Je dis, mon cher, je n'ai pas les problèmes mal tête avec le monde, et puis il m'a même comme dame. Et puis la dame nous dit, bon, eh ben, venez tel jour tel le. Et puis les mal écouté, il dit, non, moi, mamzelle font sec. Les dit, son sec cabalistique, tu fais montrer la donne. Tu fais ça l'affaire, et puis nous t'en voit. Qui m'a dit qu'il s'en a besoin. Madame lui expliquait que c'est M. Sack malade et que il n'a pas besoin de soins et que lui a besoin que le docteur Bobo parle avec elle. Il dit ok, d'accord, on a besoin d'autorisation pour venir consulter, monsieur. Bon. Et puis, m'entendons l'autre voix qui dit bonjour, bonsoir, saleté, s'exprimant dans un français d'académicien, on voit un petit Jean Guindé, et puis qui dit qui problème n'est. Et puis il fait l'histoire maladie, il dit voilà, voilà, voilà. Et puis monsieur dit, docteur Bobo dit, je dis même pas, ouais, non, pas les personnes, je dis, vois, m'en dis. Et puis il dit, comme ça, bon, de mon temps à Paris, tu as telle clinique, tel côté, dès qu'on fait bail ça, bon. Il dit, mais bon, ok, depuis de toute façon, je ne sais pas quoi, c'est comme tout, pour voyager, pour aller en consultation. Il dit, mais soit fait, ouais, pour telle plante, telle plante, telle plante. Ou à piler ou non pilant, ou à faire compresse avec eux, mais il faut toujours sous tête ou pendant un mois. Et vous venez me voir dans 30 jours. Et pourquoi vous nous voulez compresser de temps en temps? Je dis, mon cher, je fais ça. Après un mois, même bagaille, madame n'a relé monsieur. Monsieur m'a dit comment je me sentis. Je me dis, monsieur, gongon l'amélioration. Je dis, le continue encore pour 30 jours. Continue. Après 30 jours, je ne vais jamais me sentir encore. Première fois de ma vie. Et puis il me dit, monsieur, je ne passe pas rien. Je m'en forme. Puis il me dit, oh, c'est très bien. C'était la base. Et puis il me dit, monsieur, mais expliquez-moi. Je dis, bon, quand j'étais parmi vous, je suis médecin, mais je n'ai pas pratiqué vraiment la médecine conventionnelle. Mais j'ai toujours voulu comprendre les lois de la nature pour la commander. Donc là, on est à quoi? On est à côté lié, il est plus qu'à commander la nature puis, toujours. Il dit donc, il est toujours une grande connaissance des plantes. Et puis, c'est à partir de ça que il fait un pile guérison. Et c'est ça qui expliquait tout le succès que tu as gagné, tout le côté passé. Et il a des bagages qu'il a fait lui-même, parce qu'il a un laboratoire, une clinique, etc. Rosalvo Bobo. Et puis. Quand il y a là, il me dit, ah, pour me dire quoi, ça faut faire moi avec madame qui t'a introduit là. Moi, madame, effectivement, et puis il me dit, madame, comme ça, que je ne suis pas là, docteur, madame, dit, vous êtes malade? Il me dit, non, pas malade. Il dit, attendez, bah, ça va être tout ici là-dedans. Et puis, par exemple, ce n'est pas tant qu'on sait que toi, pour moi, on a fait des tours de magie. Je ne vais pas jouer à ça. Madame, ça l'a toujours? Non, il est mort depuis 15 ans. Ah. Okay. Mais well, tu étais là? Ou pas malade? Ou pas, je me connais. Michel, je ne vais pas aborder les questions politiques actuelles avec vous parce que nous sommes débordés. Et puis, bon, parler politique avec vous là, je dis, je n'ai pas l'impression que. C'est pas qu'on n'a pas grand-chose. Pas grand-chose pour dire, sinon que les mêmes histoires, les éminentes personnalités, machin. On a quitté le monde là? Oui, ben, de toute façon, nous ne sommes pas malades, nous n'avons pas besoin de docteur Bobo pour guérir, nous n'avons pas pour tout. Donc, nous avons toujours le temps pour nous revoir. Alors, nous avons dit que nous avons tenu vendredi et samedi dans le Caille Frère Pétionville,
sur place Saint-Pierre, là, de 9h à 4h. Pour le livre, là, c'est 2000 gouttes, et bien sûr, il y a capable de faire acquisition de l'autre titre qui n'a pas gagné, qui a intéressé. Merci beaucoup, Michel. C'est moi qui vous remercie. Et puis, n'a dit public là, merci pour tout le support, merci pour l'attention que vous avez gagné. Et puis, tous les amis qui sont dans la diaspora, on a salué. Tout à fait. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Michel Soukar, c'était notre invité. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.